L'entraînement, mon investissement est vraiment à 200% parce que je sais que si je ne fais pas l'entraînement, ça ne se fera pas en compétition. Je sais que je ne vais pas en donner plus à la compétition, sinon je vais rater. Mon entraîneur, généralement, moi, me dit, c'est pas que tu dois réussir, c'est que tu dois le faire parfaitement. C'est plus facile de faire par terre parce que c'est plus large et le sol est plus près. C'est vrai que quand tu montes sur la poutre, t'as un 25 de différence. La poutre que j'utilise, c'est pas la même qu'en compétition. En compétition, elle fait 10 cm et sur l'élargisseur que j'ai utilisé, elle fait 20 cm. La tonicité, la souplesse, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Donc c'est vrai que ça m'aide vachement sur la poutre. J'ai des mots-clés dans ma tête et je me les répète à chaque fois, au même moment, pour que je puisse faire l'élément parfaitement. Sur cette ligne que je fais avant ma sortie, c'est vraiment de penser, quand je fais mon costal, à faire une grande fente pour bien remonter et être en appui sur une jambe. Ensuite, de faire mon grand jeté, bien jambe tendue, puisque sinon je perds un dixième. Et pour mon salto japonais, c'est aussi de faire une grande fente et de bien arriver droite, pour pas faire de déséquilibre. En compétition, c'est vrai que c'est compliqué parce que je sais que c'est ma dernière accro et t'as tendance généralement à plus stresser parce que t'as pas envie de tomber, t'as envie d'enchaîner. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment que t'aies des mots spécifiques. Physiquement, c'est très dur puisque tu dois beaucoup répéter avec la même intensité sur le mouvement. Donc c'est vrai qu'à la fin, t'as plus de jambes et la fatigue mentale, elle joue beaucoup. Parce que tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes et à un moment, j'ai l'impression de tourner en rond. Et surtout quand t'y arrives pas, c'est ça le pire. C'est tu le répètes, tu rates, tu le répètes, tu rates. Et là, tu te dis, mais comment tu vas faire pour le réussir? L'objectif que je veux, c'est la médaille à Tokyo, mais après, il y a beaucoup de championnats d'Europe, des championnats du monde que je fais aussi et qui me servent d'expérience pour faire Tokyo sereine, moins stressée, on va dire, et sûre de moi, quoi.